L'islam radical, car il faut effectivement savoir nommer les choses, doit être combattu pour ce qu'il est, en évitant les amalgames racistes et anti-musulmans que certains se plaisent à distiller. La mouvance islamo-radicale est une plaie pour la liberté, pour la démocratie, pour la laïcité, pour la République. C'est une idéologie fascisante. Comme je l'ai demandé aujourd'hui à M. le président du Sénat, nous aurions souhaité que ce débat législatif soit reporté au regard de l'actualité dramatique que nous connaissons. D'aucuns savent qu'il n'est jamais bon de légiférer dans l'émotion et le sujet est bien trop important pour ne lui accorder qu'un si bref débat et par ce biais.